Bonsoir à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Gaming Night, donc pour l'épisode 23 de Resident Evil 4 Remake, évidemment. Donc je vous rappelle que la dernière fois on avait commencé à explorer l'île, donc la côte et puis on va dire les premiers bastions. Et là nous arrivons enfin dans les locaux. Et je m'étais arrêté ici. J'avais sauvegardé. Donc on est un petit peu en galère de munitions depuis qu'on est arrivé ici. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer le lance-carreau. Et on va essayer de jouer un peu avec pour un peu économiser nos munitions, parce que c'est vrai que là ça commence à être très très short. Donc je vais tenter de jouer avec, je sais pas si ça va donner, parce que c'est vrai que pour l'instant je l'ai très peu utilisé, ça me sauce pas trop de ouf, mais on va s'adapter, hein, pas le choix. Histoire de refaire un petit peu le... faire quelques balles un peu, et puis après on pourra jouer tranquillou avec les autres armes, parce que là c'est vraiment... vraiment une galère, quoi. Donc du coup on a vu qu'Ashley était retenue ici, mais elle a l'air endormie, inconsciente en tout cas. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de lui sauver les miches. Alors on entend qu'il y a des gens pas loin. Où sont-ils? Je ne sais pas, mais ils sont pas loin. On dirait qu'il y a un type là. Ah, il est malin parce qu'il se cache. Il se cache bien dans l'onglet d'ici, on peut pas les shooter. Bon bah on y va. Alors il y a carrément un Milkaman ici. J'ai l'impression qu'ils ont pas laissé les ennemis. Les gros là avec leurs espèces de marteaux et puis les plaques sur le visage. C'est hyper imprécis quand même, ça bouge à mort. Ah, ça le tue même pas en plus. What, ça l'a pas touché. Aïe, je croyais que je pouvais esquiver en m'abaissant. Ça fait très mal. Attendez, mais j'ai pas d'armes, c'est une galère. Je vais y aller au magnum au pire. Fait chier même. Je savais pas qu'on pouvait mettre un coup de couteau par derrière, comme ça. Merde! What? Putain, j'étais au moment où j'allais tirer en plus. Je pensais pas qu'il allait enchaîner, parce que là il a fait vraiment un énorme coup. Je me suis dit, il y a peut-être un laps de temps, le temps qu'il reprenne son marteau en arrière et tout, mais il m'a déglingué direct, quoi. Là j'ai vraiment été surpris pour le coup. Je reprenne le... Ouais, à chaque fois ça va faire ça, si je meurs ça va être sympa. Faut que je reprenne le lance-carreau. Je vais envoyer des mines au pire, parce que j'ai l'impression que les carreaux comme ça, ça pue la merde. Après c'est vrai que je l'ai pas amélioré. On va mettre ça là. On va tenter d'envoyer des mines. Je sais pas si ça leur a fait quelque chose. Est-ce que ça tue quelque chose ou quoi? Parce que... j'ai l'impression que ça sert à R. J'ai tenté de le choper par derrière. Il m'a capté ou pas?
Ouais, m'a vu. T'énerve pas comme ça, garçon. Ouais, la balle à la vache. Bon. Un peu loin. Merde. Putain, là je me suis dit on va tenter le couteau direct, mais non. Et là je peux? Non, ça veut pas. What? Mais j'ai tabaissé, what the fuck? Mais ça fait super mal ce truc, c'est abusé. C'est abusé comment ça délingue la gueule, quoi. Bon après, en vrai, IRL, tu te mon chat, t'es mort direct, hein, c'est sûr, mais bon. On est dans un jeu vidéo, s'il vous plaît, soyez sympa. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Putain, comment ça fait trop mal. Je me rappelais pas qu'ils étaient aussi violents dans le village, en fait. J'ai l'impression de les gérer tranquillou dans le village. Ah, c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, c'est là qu'il s'était énervé direct derrière. Ouais, il peut très vite enchaîner en fait. What? Ça l'a traversé quoi? Mais c'est n'importe quoi. C'est en plein dedans, mais ok. Aucun sens. Oh l'enfoiré, mais sérieux. En plus, il est pas en ligne droite, en fait, quand il fait ce truc-là, il te suit réellement. Faut vraiment esquiver, sinon tu le manges, quoi. Y a pas moyen de le filouter. Oh putain, il me met la pression, cet enfoiré. Il va mourir ou quoi? C'est un mange. Est-ce qu'il meurt? C'est putain. Éponge à balle et à couteau. Et à carreau aussi. Il doit plus me rester beaucoup de carreaux du coup. On va jouer avec ça, mais c'est... Franchement, je suis désolé, hein, mais cette arme-là, ils sont peut-être dit on va changer. Je vais juste mettre le lance-mine de R3. Hein. On va mettre ça, mais c'est nul en fait. Il n'y a pas de feeling intéressant, c'est pas amusant à jouer. La visée, elle est nulle. C'est vraiment pourri comme arme. Franchement, je suis pas convaincu par l'arbalète. Donc là, apparemment, il faut des cartes. Il en faut 3, j'imagine. Ok. Donc là, il y aura un truc avec Ashley. Donc la suite sera certainement ici. Il reste l'échelle et le truc là-bas. Bon bah il reste que l'échelle. Lol. Heureusement que j'ai fait bien fait de fouiller, parce que je suis un cul-de-sac, ça sert à rien.
Mais je vais quand même y aller, sait-on jamais. Il y avait une petite herbe, donc... heureusement, j'ai regardé. Il m'a capté, déjà, évidemment. Oh putain, transformation de merde. Encore? Et oui. Et on a la 12. Bon, il n'y a pas de petits trucs à ouvrir, hein, ça serait sympa. Comme dans l'original, avec des petites, des petits soins, des balles. Bah tiens, si j'en parle. Hop. Bon, ils font chier par contre avec leur poudre noire. J'aimerais avoir des vraies balles, s'il vous plaît. Ce poudre noire, c'est chiant. Là, c'est pareil, ils ont inversé le truc à moitié. Ça fait comme la zone de l'époque. Sauf que là, au lieu que ça soit une arche, bah c'était une porte qui s'ouvre automatiquement. En appuyant ici, là c'était la suite. Bah, c'est que des trucs remaniés à l'envers en fait. Mais c'est malin, moi j'aime bien cette idée en vrai. Là t'avais un marchand. Voilà, il y aura peut-être rien. Même ici, bah, y avait des casiers tout le long, avec des émeraudes. Ce passage était relou d'ailleurs dans le jeu d'origine, qu'ils ont envoyé des dynamites, fallait tirer au bon moment, c'était une galère. Là, il n'y a pas l'air d'y avoir ce problème. Il y a quand même la zone où il y aurait pu y avoir le marchand, mais il n'est pas là. Tant pis. Pas quelque chose ici, j'ai découvert un truc affiché. La fameuse cuisine. Va-t-on voir l'épisode du four? Où un ennemi a décidé de rentrer dedans, tu sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas des villes avec des grenades dans l'eau, comme dans l'origine. Ça serait bien. Est-ce qu'il y a des trésors pour l'instant? C'est marqué quoi? Provision, d'accord. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fours. Est-ce que ça s'ouvre? Ouais. Comme à l'époque. Nice. Petite grenade, super. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Toujours le truc avec le sas, d'ailleurs. Tiens, tiens, des rangs. C'est quoi, ça? Ah, des cafards, quand même. On peut les shooter ou pas? Ce sera marrant. Parti où là les... What? Oh merde, il est là. Ah, je m'attendais pas à le voir ici, j'ai même pas fait gaffe que c'était un fou. Je cherchais les rats. Je sais pas où ils sont partis. Pas de commentaires de la part de Léon, hein. Dommage. Un poisson, ah, énorme. Alors, reviens par là, je vais essayer de le shooter, voir s'il n'y a pas un défi. Il y avait une porte ici. Ah, mais je viens d'ici. Ouais.
Il est où? Non, il n'y a pas de défi là-dessus. Ok. Et donc le marchand est ici, d'accord. La pose est finie, je suppose. Alors ça a l'air d'être tout aussi miteux qu'à l'époque, mais on dirait qu'il mange un poil, je dis bien un poil, plus sainement qu'à l'époque quand même. Munitions de mec, carrément quoi. Alors il y aurait un trésor ici. Ah oui. Je l'avais pas vu. Un petit œuf, ok. Y a Ah, il y a pas de une poule mal ou à se faire quoi? plaisir. Alors. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Pas grand-chose, que j'ai pas beaucoup d'oseille. Quoique, je vais peut-être avoir de quoi acheter la mallette. Il manque pas grand-chose, hein. Je vais vendre un truc. Le petit bracelet, les bleus velours, et ça sera bon. Hop, nouvelle mallette. Même si je sais pas Plus si c'est je vais vraiment grand, faire mieux usage, parce que je c'est, suis comme on tellement dit. fauché en C'est ce que je pensais permanence. quand j'étais jeune. Rien de plus facile. C'est tellement déglingué cette arme. Je suis désolé. Je sais pas si on est qui kiffe, mais Tes armes sont entre de elle est bonnes mains. éclatante cette Reviens arme. quand tu veux, surtout. J'aime pas du tout. Allez, on fait une petite save. Et on continue. Salle de dissection, chambre froide. Ok. Et donc on va pas tarder à tomber sur nos poteaux. Les régénérateurs. Alors le problème c'est que j'ai rien. Donc ça va être drôle. Donc là faut un lecteur de cartes, mais il faut deux trucs. Ok. Je sais pas comment je vais faire, hein, parce qu'à l'époque les incendiaires c'était pratique. Ouais, techniquement faudra aller dans la salle de dissection d'abord pour choper la clé. Et la reprogrammer dans la chambre froide. Enfin je sais pas si c'est pareil dans le jeu, mais bon, on va voir. On les entend déjà sniffer comme à l'époque. Et on est en mode c'est trop la peur avec une caméra de surveillance. Ok. Alors c'est pas tout à fait le même bruitage qu'à l'époque, mais c'est très très proche. Oh, y a des chambres partout. Trucs verrouillés et tout. Ouais, tout est fermé ou quoi? Ça faut du jus. Mais ils disent rien. Oui, il doit y avoir un générateur ou un truc comme ça. Quelque part. Bon, il se pointe quand le premier? High voltage, bah ça va être ici. Alors, document. Pathologiste Ernesto Munoz Reyes. La demande de mise à jour de votre carte d'accès a été approuvée par le chef du département. Veuillez apporter votre carte de niveau 1 en salle de dissection et suivre la procédure de mise à jour indiquée à la page suivante. Obtenez l'accréditation du niveau 2 via la borne de réécriture de carte située dans la chambre froide. Obtenez l'accréditation de niveau 3 via la borne de réécriture de carte dans le labo d'incubation. Ok.
Veuillez demander la permission responsable de chaque salle avant d'utiliser les bornes. Ok. Donc premier salle dissection, bon ça c'est pareil qu'à l'époque. Chambre froide, deuxième pareil. Par contre, labo d'incubation, donc c'est pour Ashley du coup. Il a pas l'air d'être ici. C'est peut-être dans une autre zone du coup. Ok. Bon, on va voir ça. Hein. Alors c'est quoi ces zones que techniquement on vient? Ou c'est un raccourci, ou peut-être pour tourner en rond avec les ennemis. Par contre oui, il n'y a plus de lumière ici, ils ont inversé le truc. Ok. En tout cas on les entend sniffer. Hein. Est-ce qu'on les voit? Ils sont malins, ils ont tout caché. Hein, on voit un morceau. S'il se réveille, celui-là en tout cas. Ils ont l'air d'être assez proches des origines. Et là on voit le fameux Plagueis qui attaque. Mais ils ont vraiment gardé le même délire qu'à l'époque. Alors ici par contre c'est carrément une autre énigme. Alors ça c'est... J'ai pas tout compris, mais d'accord, ok. Si je fais confiance... Ah oui, ok, ça change de sens, ça marche. Je comprends même pas c'est qui que je dois allumer, en fait, parce que Power, ok, c'est là d'où l'anime vient. Ah, faut que j'allume les trois zones, ok, c'est bon, oui, j'ai compris avec les éclairs, j'avais pas capté, monsieur Lucy, oui, je comprends pas votre schéma, en fait. Donc celui-là, c'est bon, et le dernier, alors ça va pas jusque-là. Le truc, c'est là, ça agit pas là-dessus. Galère ça, là s'en allume qu'un. Comment faire? C'est le dernier là, c'est une galère en vrai. Comme ça peut-être. Ah, on est obligé d'avoir les trois en même temps, bah, c'est chaud. Ok, là j'en ai deux. C'est déjà ça. Ah, dès que j'inverse, c'est soit l'un, soit l'autre. Et peut-être celui-là en l'inclinant. Bah voilà, c'est bon, j'ai les trois. C'est un peu plus compliqué que l'autre, hein, parce qu'à l'époque il était hyper simple l'autre. Ça se faisait en 2-2. Alors, document. À l'époque c'était mémo de Louis, ça s'appelait, mais là c'est note d'observation régénérateur. Alors, date 9 avril. Enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie. J'ai baptisé cette créature régénérateur. Sa capacité métabolique est exceptionnelle. À moins que tous les parasites présents dans son organisme soient éliminés, ses tissus peuvent se régénérer à l'infini. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Le 10 avril, en observant son corps avec une lunette dotée d'un biocapteur,
J'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux pour leur hôte, presque comme si celui-ci avait plusieurs cœurs. Ma nouvelle création est pratiquement immortelle, je suis sûr que même le docteur Frankenstein serait en admiration devant une telle prouesse. Le 13 avril, j'ai informé mon collègue, ce monsieur je sais tout, de ma réussite. Il est devenu pâle. Ensuite, il s'est mis à griffonner des choses dans son carnet. Je pensais qu'il serait impressionné, mais au lieu de cela, il a eu le culot de me mettre en garde sur les soi-disant dangers. Ce type est un imbécile. J'ai tout sous contrôle. Date. Ok, ça démarre mal. Le sujet est devenu fou et s'est échappé de sa cuve cryogénique. C'était moi l'imbécile. Ben voilà. Chez, comme on dit. Donc on voit les fameuses radios du coup de ces bestioles. Ouais. On voit du coup qu'il y a une partie qui est à peu près humaine, hein, celle de droite avec la mâchoire normale. Et de l'autre côté où ça a complètement muté avec une espèce de dent acérée. Putain. Quelle sorte d'expérience ils font ici? Pas l'air bien en pont celui-là. Bon ben on va récupérer la carte d'accès, on sait ce qui se passe. Hein. Pas de surprise. Je sais pas du coup si ça va être visible sans lunettes. J'imagine que non, mais bon. Peut-être qu'il y a des trucs. Ah oui, et puis il est direct ici en plus. Ah, il est énervé. Hein. Mais ils ont globalement les mêmes dégâts qu'à l'époque. Genre ça a pas shooté son cœur. Par contre on les voit comme ça, ça c'est pas mal. Putain il est énervé. Est-ce qu'il va mourir? Non, il doit lui en rester un quelque part. Putain j'ai plus de balles. Ah, c'est bon. On dirait qu'ils ont gardé un peu la musique thème des régénérateurs aussi. Un peu remixé encore une fois, mais très proche aussi. Donc il y a quand même deux autres pièces, on va aller les fouiller. Je sais pas si on en aura d'autres. Ah, un petit spray, ça régale. Il y a que ça? Très généreux quand même. C'est vrai que dans cette zone, putain, c'est compliqué. Lingot d'or, ouais, pourquoi pas. Ça peut me donner des balles, mais bon, mieux que rien. Et c'est tout. Je suis vraiment en mode miséreux là, c'est infernal quoi. Donc du coup chambre froide. Puis de toute façon après il n'y a que ça à faire. Pour le niveau 2, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc c'est par ici. Allons-y. Là, peut-être y en avoir d'autres qui vont pop exprès. Un peu pareil, le même cheminement ici qu'à l'époque. Ça marche pas? Ah merde! Oh, ils font chier avec ça, putain. Du coup... Tac, on va passer par là, normalement c'est ouvert. Casse-couille leur truc.
C'est trop la sombrance par ici. Ah ouais, c'est pas le même délire, hein, par contre. Alors c'est marrant parce que c'est des vieux sacs tout pourris, avant il y avait plein de prototypes de régénérateurs et tout. Ah, c'est pas le même truc. Donc ça c'est pour modifier la carte. Ici, on aura peut-être El Famoso Lunettes. Non. le troll ultime quoi. Poudre. Je m'en fous, je veux une lunette, moi. C'est tout, y'a rien d'autre. On va peut-être ici, remarque. Allez, c'est reparti. Alors là, il y en a 5. Ah ouais, les mecs, ils sont à fond, quoi. Si je le mets comme ça, ouais, c'est bon. Ah, mais l'autre, ça marche plus du coup. Alors, ça, peut-être en modifiant celui-là. Putain, c'est casse-couille leur truc. Alors, faut que je modifie peut-être ça. Et avec ces trucs-là en diagonale, ça marche peut-être. Ça a pas trop envie de marcher, ok. Je trouve une autre strat. Hein. Ça coupe. On va rester comme ça pour celui-là déjà. Ah mais non on peut pas. Oh putain c'est casse-couille. À quoi que. Peut-être comme ça parce qu'après là, tac. On va essayer comme ça. Déjà un signal ici. Putain, c'est un cancer ce truc, en vrai, j'arrive pas à visualiser le truc. Putain, avoir les 5 là, une galère. Après celui-là c'est chiant. Putain, il enregistre.
sans faire. Attends, comment j'ai fait l'attaque? Tout est lié. Sauf que là, ça fait chier. Putain. Ah ouais, si je fais ça, ça marche pas non plus, quoi. Là, je chope celui-là. Putain, c'est une galère. L'énigme de l'enfer. J'arrive pas à... Ouais, je m'en fais que j'avoue, j'arrive pas à capter. Après, il reste celui-là, mais le truc, c'est que si je tourne, après, ça... L'autre va plus avoir de jus. J'ai pas trop le choix, en fait, de le mettre genre comme as. Là, ça, je sais pas, mais là, faut que je modifie. Tac. Pas moyen de faire passer le jeu ici. Ah ouais, je pense que j'ai pas le choix de le mettre dans ce sens-là. Si je fais ça. Tenter ce signal-là. Ok. Et là, ça fait que celui. Mais il y a toujours un endroit où il y a une couille en fait. Putain, quel enfer, c'est abusé. JPP. Je ne sais pas quoi faire. J'en sais rien du tout là, je suis en train de sécher. Putain, je vais rester coincé là. Ça plus, il n'y a rien d'autre à faire en attendant. Putain, ça me casse les couilles.
Il y a toujours une couille en fait. C'est un truc. J'arrive à en allumer un, ça éteint l'autre. C'est infernal, c'est abusé. J'arrive pas à les avoir. Remarque, si j'attaque sur la droite, c'est peut-être moyen de faire un truc. Il me faut au moins que ça aille dans cet angle-là. Passe le signal. Putain, c'était allumé là. C'est un petit serré. Comment j'allume le dernier? Je sais pas. Mais je suis obligé de le mettre vers le bas, celui-là, si je veux alimenter ou comme ça. Voilà, ça s'envoie plus le signal, putain, c'est chiant. Tac. Ah, mais non, putain, c'est infernal. Hein. Je pense pas que ce soit ça, du coup, faut appuyer dans l'autre sens. Premier, deuxième, ok. Le troisième, là où ça bloque, ça va être ici. Et là, si je le change, comme ça, non, ça ferme. Pourquoi ça ferme? C'est lequel qui bloque? Pourquoi il n'y a plus l'anime jusque-là? Ouais, d'accord, ok, c'est celui d'en bas qui pose problème. Je vois pas, hein, parce qu'il y a des moments où tu captes à peu près lesquels allumer dans tel ordre, je pense que t'as pas trop le choix. Ça, si je mets vers le bas, bah mais... Oh. Passer... J'en sais rien, ça me... je sais pas. Une heure plus tard. Putain, mais le premier, ok, le temps que je capte comment ça fonctionne, c'était un peu long, mais ça allait. Mais alors là, celui-là... Là, je peux pas la reprogrammer quoi qu'il arrive, de toute façon. Si. Ah, je peux au moins faire ça. Tiens donc. Un compagnon d'infortune. Elle est juste à côté en plus, comme ça t'es obligé de te le manger presque. Je pense que c'est bien que les cœurs ils pètent parce que j'ai pas des balles infinies. Oh, il va me buter. What the freeze, qu'est-ce qui se passe? Ça veut pas dire que le jeu va planter.
What the fuck? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Le PC il a sué, j'en sais rien où c'est le jeu. Donc retour au jeu. Apparemment je suis pas mort, donc tant mieux, mais pas tout compris. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On va y aller à la grue pour voir. Parce que vu qu'il n'y a pas d'incendiaire, peut-être que quand même moyen de bien le défoncer comme ça. Ah, enfoiré, il va me sauter dessus après. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est costaud le fumier. Il doit m'en rester une petite. Le sac à PV, c'est infernal. Bon, moi j'ai la carte, mais putain, cette énigme de l'enfer. Je veux la finir, moi, putain. C'est pas possible. C'est toujours le truc en fait, c'est toujours une extrémité qui saute à un moment ou à un autre. De toute façon, là le premier, je pense que c'est obligé de faire ça, parce que si on regarde bien, celui qui est tout en haut à droite, le seul moyen d'acheminer de l'énergie jusque là, c'est comme ça. Donc pour moi, je pense que c'est ça. Ensuite, le 2. Là, c'est plus complexe le 2, puisqu'il y a le signe en bas, une espèce de truc à distance. Y a peut-être moyen de greger un truc. Peut-être qu'en mettant comme ça, en changeant celui-là, ça va peut-être alimenter, voilà. Sauf que ça s'allume pas pour autant en fait. C'est après la deuxième étape, est-ce qu'il y a un autre truc? Je suis obligé d'allumer dans telle heure, non. Là je pense que comme ça on est obligé. Faut au moins que ça aille vers le bas. Pour le deuxième du bas à gauche. Parce que là, si je change celui-là, quoi qu'il arrive, ça ira pas en face. Donc ça va être forcément un truc soit comme ça. Comme celui-là, oui, je pense. Attaque. Et le truc c'est qu'après en haut ça n'allume plus. Donc si je fais le signal là ça l'allume, mais maintenant c'est celui du milieu quoi. Putain. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui fait que celui du milieu il s'allume déjà? Ça les s'allume plus jamais, donc est-ce qu'on peut l'allumer à distance avec les trucs là? Cette espèce de d'onde, je sais pas comment appeler ça, les X quoi. Parce que sinon le premier, si je le mets pas et que j'alimente les autres, admettons, comment je fais pour allumer celui tout en haut à droite?
Ça s'allume celui du milieu, parce que là il est dans le bon sens. On va partir de l'extérieur, sinon comment allumer les autres? Ah mais non, est-ce que dès que je coupe celui-là, ça coupe tous les trois du milieu quoi? Ah là là, putain. J'arrive pas, hein, c'est ça rend ouf, mais j'arrive pas à voir le truc quoi. Putain, plus grosse énigme de n'importe quel bio, aucun sens. Tant pis, ça doit être juste un truc trésor, mais là je. J'en sais rien, je vois pas du tout ce que ça peut être, quoi. Bon, tant pis, on va y aller. Je retenterai peut-être plus tard si j'y pense, mais là. J'en sais rien du tout, quoi. Puis en plus, on est déjà à plus de 50 minutes, donc j'aimerais bien juste m'arrêter ici. On va aller sauvegarder. Pas sur le bon chemin. Ça, c'est la porte double, on peut l'ouvrir sur le passage. Ça sera fait. Ça, on ira là la prochaine fois. Il y a quoi juste par curiosité? Ah, on voit pas. Bon, j'y vais pas parce que on sait jamais ça balance des cinématiques ou quoi. On verra. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Allez, on va sauvegarder. Oh, j'ai rien compris à cette énigme là. C'est peut-être plus simple à comprendre, je sais pas, mais quand tu regardes le sens. Il y en a déjà eu plein des énigmes comme ça dans les rues où faut aller dans le bon signal, dans le bon sens, etc. Que ce soit les principaux, même les outbreak. Mais là, je vois pas en fait, parce que t'as les trucs qui redirigent ce signal de base, et t'as les autres symboles, ces espèces de deux parenthèses inversées, enfin, j'appelle ça des X, vous voyez de ce que je parle, et ça, j'ai pas compris, j'ai l'impression que ça, enfin, ça envoie de la puissance, enfin, un signal, mais genre, on s'enfile, quoi. Donc, peut-être utiliser cela pour réussir à faire marcher les lignes, mais je sais pas, j'ai essayé 10 000 façons, je comprends pas. Donc on verra demain. C'est pas grave, on avance quand même assez bien, mais ouais, c'est vrai que là c'est gros ralentissement avec cette énigme à la con. Mais bon. Bon, en tout cas, j'espère que comme d'habitude, ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter en tout cas, et puis je vous dis bonne soirée. Et à la prochaine pour la suite de Resident Evil 4, le remake. Allez, à plus !